Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie, normalement la dernière partie du tuto pas à pas sur les transferts d'images de Stamperia. Donc c'est un pas à pas. Donc là nous sommes à la troisième partie. Dans la première partie on a fait le transfert d'images. Voilà. Et on a, il me semble, commencé un peu les pochoirs et tout. Dans la deuxième partie, on a fait les encres, voilà, ce que ça donne pour le moment. Je n'ai pas encore patiné ni rien, ce n'est que des encres, sachant que du coup, je vous ai laissé, je vous ai dit que je ferai les côtés hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. Pour le coup, pour les côtés, en fait, par rapport au-dessus, j'ai plutôt travaillé avec ces deux, donc c'est des Sparkle Spray. Donc la marron et la verte, vous les trouvez chez Horizon Créatif. D'ailleurs, elle n'en a pas actuellement, puisque bah, du coup, comme mon marron a bien descendu, j'en voulais. Mais je pense qu'elle va les recevoir. Peut-être quand la crise sera finie. Voilà, juste pour info, voilà, j'ai préféré travailler avec ces deux. Et j'ai mis un petit peu aussi de celle-là, c'est la Cooper, c'est une glimmer, c'est Daily Art. Donc ça c'est très bien pour les petits budgets, hein. Et voilà, c'est une rouge, et ce qui fait en fait ces petites taches rouges, c'est celle-là. Voilà. Pareil, Horizon Créatif. Donc voilà ce que ça donne en fait, hein. Là on va venir les travailler un petit peu aussi avec des cires. Vous voyez là, le transfert se mélange bien au décor, du coup c'est pour ça que je vous dis, c'est pareil que des papiers de riz, sauf que l'avantage c'est que là vraiment on peut le travailler et les fondre dans les décors qu'on aura fait nous. C'est voilà. Mais le principe est un peu comme les papiers de riz en fait. Voilà. Sauf que ben, du coup, là on voit que le pari. Donc voilà. Là, je ne me suis pas embêtée puisque de toute façon il était loupé. Donc du coup, ça fait vraiment un effet abîmé, vieilli. C'est ce que j'aime bien, moi. Donc voilà. Bien entendu, c'est. Là c'est mon style. C'est comment je voyais le transfert. Vraiment, c'est à vous après de vous. Vous adaptez avec vos goûts, si vous aimez les couleurs plus claires, vous faites du plus clair. Enfin voilà, c'est vraiment chacun qui fait par rapport à ses goûts. De toute façon, je pense que j'en ferai d'autres, puisque ben, j'adore ça. Hein. C'est un peu comme les papiers de riz. Vu les circonstances qu'on est en confinement depuis pendant apparemment un bon moment, je pense que... ben, comme on s'occupe comme on peut, je vais en faire, je vais m'adapter comme tout le monde. Du coup, voilà, c'est juste les supports, du coup, je ne sais pas si j'aurai assez de supports, mais bon, on s'adaptera. Il me semble que chez moi, j'ai plein de cadres aussi, des vieux cadres que je gardais pour relooker, recustomiser. Donc, il est pas, peut-être, il est dit que je ferai peut-être des... que je prendrai ces cadres au lieu de toile ou quoi, ou... Voilà, c'est pour ça que c'est important de rester chez soi et de s'occuper comme on peut. Je sais que c'est pas évident, mais franchement, restez chez vous, s'il vous plaît. Voilà, prenez soin de vous et pensez aussi à votre entourage. Donc, même si c'est dur, restez chez vous. Bon, voilà. Donc, du coup, je vais quand même venir voir. Avant de passer à la patine et tout ça, si je vais venir mettre mes moulages que j'ai fait. Donc j'avais fait des moulages. Donc alors ça c'est ce moule là en fait. Donc ça c'est une plaque en fait, voilà. Et en fait là pour avoir ça, je l'ai coupé tout simplement. J'ai coupé et j'avais envie d'en mettre par-ci par-là. Maintenant je sais pas si du coup ça va aller. On va voir ça. Et je voulais pas un effet nickel aussi. Du coup, vous voyez là par exemple, ce serait bien avec ça.
pour faire style fermeture boîte. Mais bon, je sais pas si ça va aller. Du coup. Après, j'avais fait aussi des engrenages comme ça. Mais là, ça me paraît un peu gros. J'avais aussi fait des engrenages. Donc ça, c'est ce moule-là. Voilà. Pareil, je voulais voir. Mais il ne faudrait pas que ça cache. Quoique là, ça irait super bien. J'avais fait aussi des montgolfières. Donc ça, c'est ce moule-là aussi. Et j'en ai un autre par là. De montgolfière, je sais pas où je l'ai mis. Vous voyez par là. Donc voilà, je pense qu'on va venir par-ci, par-là. Par contre, ce que je voulais, c'est que je voulais les colorer à part. Donc je vais regarder un peu les embellissements que je vais mettre. Et je vais venir les travailler à part pour pas gâcher le travail que j'ai fait dessus. Puisque forcément, si je viens les travailler dessus, ben, ça va déborder. Donc, voilà, j'ai des toutes petites montgolfières aussi. C'est un moule AliExpress aussi. Mais je sais pas où je l'ai mis. Il faut dire qu'il y a du bazar. Comme à chaque fois que je travaille, il y a beaucoup de bazar autour de moi. Mais ça, c'est normal. On le sait. On fait avec. C'est dommage, je n'aurais presque pu en mettre aussi sur les côtés. Ce serait sympa comme ça aussi. Juste sur les côtés qui fait. Allez, là. Ça pourrait faire sympathique aussi. Je ne sais pas si ça, je ne vais pas les mettre sur les côtés. Je vais vous montrer que ça fasse comme ça. Excusez-moi, ça coupe, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Bon, voilà. Ça, ce serait sympa. Donc, je pense que je vais essayer cela, de les couper droit pour faire un angle. Donc, du coup, ben, on va venir les travailler. Alors, je pense que ben, je vais les recouvrir de gesso et tout hors caméra. Puisque, de toute façon, vous savez le faire. Hein. Donc je vais tout simplement prendre mes embellissements et je vais les recouvrir par contre de gesso noir, je pense, pour que ça ressorte mieux. Puisque là, on avait fait sur du blanc par rapport au transfert d'image pour qu'il ressorte. Là, ben, les moulages, c'est pas grave. Donc je vais le faire avec du gesso noir. Je vais prendre mon gesso noir. J'ai celui-là de chez Action. Alors il va très bien. Contrairement au blanc qui ne vaut rien. Je suis désolée, mais... Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je le dise, mais c'est vrai. Donc voilà, je vais prendre et on va les... Je vais les recouvrir de gesso hors caméra. Et on se retrouve dès qu'ils sont recouverts. Comme ça, je gagne du temps par rapport à la vidéo. Donc, je fais ça. Et on se retrouve de... Donc alors là, j'ai recouvert de gesso. Du coup, on va venir les peindre un peu et venir avec des patines, les travailler comme on fait avec les, comme on a fait avec les encres et tout, mais avec des patines et hors boîte, comme ça au moins on les, au moins les peindre pour pas abîmer le travail qu'on a fait sur la boîte, on le fait à part, voilà, tout simplement. Mais je crois que je vous l'ai dit déjà, je sais pas, je suis désolée. Du coup là, je vais venir prendre des petits embellissements par-ci, par-là. Ils sont pas tout à fait secs encore. Non. Ça, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Puisqu'on va les ressécher après. Donc là, finalement, j'ai pris des tuyaux aussi, comme ça. Je trouve que ça pourrait faire sympa aussi pour faire en angle et tout. Donc, je les enlève. On va faire élément par élément. Donc, là, j'essaye de prendre tous mes tuyaux déjà. Je viens les sécher un peu parce qu'il y en a qui sont pas tout à fait secs. On va faire des engrenages aussi après.
Là, je vais venir prendre un pinceau. Et alors là, je vais me servir de la Rustic Brown. C'est une peinture métallique de chez Prima. Et je vais venir. Donc, je suis désolée pour le bruit. Mais bon. Comme il fait beau, du coup, mon mari travaille avec le tracteur. Hein, et il est juste à côté. Donc, désolée pour le bruit. Donc, voilà, en fait. Je vais venir peindre mes éléments comme ça. Et après, les autres, je viendrai les peindre avec la matériel laiton. Donc, c'est un peu plus clair. Voilà. Et après, on viendra les coller et les travailler avec les cires et patines qu'on a. Donc, bien entendu, si vous n'avez pas de Prima, vous pouvez très bien. Et là, vous voyez, je fais en sorte que ce soit pas tout pareil. Qu'il y ait quand même des effets. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, vous pouvez très bien faire ceci avec de la peinture métallique. Bien entendu, bon, moi j'ai des Prima, c'est mes chouchous, donc voilà. Mais après, chacun fait avec la peinture qu'il a. Voyez, je fais pas ça nickel non plus, hein, puisque de toute façon, c'est pas un truc nickel qu'on veut. Et en plus, avec cette peinture, j'aime beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour recouvrir. Donc voilà. Vous voyez, je veux quand même qu'il y ait un peu le noir, le gesso de dessous qui se voie, puisqu'on va venir après travailler avec les cires. Et du coup, ça va faire un petit mélange. Mais après, ça, c'est ma façon de faire à moi. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez très bien les peindre directement, nickel. Ça, c'est vous qui voyez. Et aussi par rapport au style que du coup, vous allez donner. Hein, parce que là, moi, je pars sur un truc... mix média, vintage, voyage et tout. Enfin, bon. Mais si c'était un truc plus, je sais pas, fleuri et tout, ce serait pas du tout les mêmes décos, quoi. Et les mêmes peintures et tout. Faut vraiment le faire par rapport à votre travail à vous. Donc là. Vous voyez là. Je fais ça assez vite, hein. Je ne m'éternise pas à faire tout nickel. Bon, je crois que je vais finir hors caméra. Vous avez compris le principe de toute façon. Voilà, on peigne. Je le fais hors caméra. On se retrouve pour la suite du coup. Donc alors, voilà ce que ça donne. J'ai les épais, j'ai mélangé les deux couleurs. Du coup, oups. Du coup, là, je vais venir voir, j'ai branché mon pistolet à colle. Et du coup, je vais venir voir ce que je fais. Du coup, j'ai mis des tuyaux. Hein. Je pense que je vais en mettre en angle plutôt. Donc, par contre, je vais coller en essayant de garder la boîte fermée, surtout à ce niveau-là. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais venir en angle. Et après on viendra les travailler avec des cires. Donc là je vais mettre un tuyau. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas de règle, c'est comme on a envie. On peut les mettre nickel, bien droit, bien... Comme on peut les mettre n'importe comment. C'est vraiment au choix, comme on a envie. Donc là, je vais coller celui-là aussi. Et...
celui-là. Alors celui-là, là, il va venir un peu dépasser. Là, dans le vide. Mais ça, c'est pas grave. Du coup, je mets pas de colle en bas. Puisque ça va dépasser. Est-ce que je vais en avoir assez là, de prix? Voilà. Donc c'est vraiment après comment on le sent. Il n'y a pas de règle. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est de ne pas bloquer là, à ce niveau-là pour la fermeture de la boîte. Mais après, franchement, entre nous, il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme on le sent. Là, pareil, je vais venir le mettre, mais je vais coller que la moitié puisque le reste sera dans le vide. Du coup, ben là, on colle que la moitié. Et là, je reste un peu appuyé, que ça tienne. Là, je regarde, il m'en manque un ici. Et là, pour le coup, je vais plus avoir les tuyaux. Si je mets celui-là, là. Voyez. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est un moule comme ça que j'ai coupé. Donc là, ben, je vais venir coller ça. Donc, on se met le plus droit possible. Donc déjà, mon contour, il est prêt. Alors, bien entendu, moi, c'est des moulages. Vous faites avec ce que vous avez. Pour remplacer les tuyaux, par exemple, vous pouvez très bien prendre des pailles en plastique. Moi, je l'ai déjà eu fait, vous savez, avec le truc qui se plie. Et ça va super bien aussi, franchement. Voilà, il n'y a pas de règles. Donc, si vous n'avez pas ben, les mêmes trucs que moi, c'est pas grave, vous vous adaptez avec vos trucs à vous. Hop. Je vais vous baisser un peu quand même. Voilà. Du coup, là, je les mets. Voilà. J'ai oublié de remettre les gants. Là, qu'est-ce qu'on va y mettre? Là, j'avais bien envie de mettre ça ici. Et si je mets ça ici, du coup, j'avais prévu, ça c'est un sheetboard qui vient de chez Horizon Créatif. J'avais prévu de mettre ça ici, mais je pourrais très bien le mettre là. Ça pourrait être sympa, comme je pourrais mettre aussi ceci ici. Le choix est dur, moi je vous le dis. Là, et j'en avais une deuxième que je pourrais mettre ici par exemple. Comme ça, ça ferait ça. Allez, hop, on y va. Donc, on colle. Donc, j'essaye que ce soit à peu près pareil. Ça, c'est un moule prima. Après, il y a deux grandes volutes. Moi, j'appelle ça des volutes. C'est celle-là qui est avec. Elles sont magnifiques. Bon, elles sont un peu grandes du coup, c'est pour ça qu'on ne s'en sert pas souvent. Mais... ouais, là ça ferait super joli comme ça. Ou alors je le mets là. Celui-là, je peux toujours le mettre par là. Non, je vais le mettre là, tant pis. Allez hop, de toute façon, je le voyais là depuis le début, donc c'est pas la peine d'insister. Au bout d'un moment, quand on voit les choses à un endroit, mais...
on revient toujours à les mettre comme on a dit la première fois. Hop. Donc ça, ça j'ai vraiment envie de le mettre là par contre. Donc là je vais tester de le coller à la colle chaude. Si je vois que ça ne tient pas ou que ça ne fait pas joli, je viendrai le coller avec du médium. Idéalement, c'est quand même le mieux pour les petits. Ah, je me suis cramée, voilà, ça c'est fait. Faites pas comme moi, hein. Faites attention. Donc voilà, et là, je vais venir, vous voyez, j'alterne les couleurs aussi. C'est comme ça, quand je vais venir les travailler après avec les patines, ça fera pas le même effet. Et donc là, on va venir, ça pareil, c'est mon prima. Je vais venir le coller ici. Voilà. Du coup. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais venir mettre. Là, je vais venir mettre une montgolfière. Et une petite ici. C'est une manière de rappeler un peu. Le thème de départ, c'était quand même la montgolfière, donc ouais. Voilà. Ici, on va venir mettre un rouage. Ici aussi. Donc voilà, c'est vraiment, vous le voyez d'ailleurs, c'est comme ça vient, on réfléchit pas trop. Peut-être une petite. Donc voilà, pour le moment, ça suffit largement, je trouve. Peut-être là un petit truc, mais ouais, voilà, on va mettre un petit engrenage. Il me faut des bâtons de colle. C'est que je les ai. Hop. Donc, on va essayer de le glisser. Bien entendu, si vous avez des sheetboards, ben vous vous servez des sheetboards, vous vous servez de ce que vous voulez. Donc voilà. Et donc là, du coup, ben maintenant, on va venir décorer les côtés un petit peu. Alors, là, je vais venir mettre une pendule. Je sais pas si vous voyez, du coup. On met de la colle et on vient la coller. Et là, vous voyez, je me sers du couvercle pour voir la limite où je dois coller. C'est pour ça que je laisse le couvercle en fait. Hein. Là, je vais me coller un engrenage. Là, je viens mettre ceci. Là, c'est mal coupé, mais c'est fait exprès. C'était pour faire un truc, vous savez, abîmé. Pas. Là, j'ai beaucoup trop de colle. Ah, j'ai toujours pas retrouvé mon petit truc en silicone. Faut pas se brûler, donc je fais avec ça, mais. Donc, voilà ce que ça donne.
je vais continuer et après je reviendrai par-dessus pour voir s'il y a des trucs. Ça, je le verrai bien ici. Même ici, en angle. Ça, je vais le mettre. Vous voyez, vraiment, c'est comme on le sent après. Hein. On réfléchit pas. Enfin, on réfléchit sans trop réfléchir non plus. Mais je suis sûre que vous m'avez compris. J'avais quand même envie de mettre un petit engrenage ici ou ici. Au milieu. Donc ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là? Je mettrais bien une petite montgolfière aussi. Donc voilà, là on s'amuse à mettre par-ci par-là, vraiment comme on a envie. Là par contre. Là. Ça. C'est pas grave si on couvre un peu le. Par exemple, là, je couvre un petit peu le E, mais c'est pas grave. Maintenant, si vous voulez pas le couvrir, faites pas comme moi. C'est pareil, c'est une affaire de goût. Moi, pour ce que je veux, c'est pas grave. Après, il y en a qui vont dire que qui le veulent pas comme ça. Du coup, c'est pour ça que je vous dis vraiment, vous faites comme vous le sentez. Là, je pense que ça va être tout parce qu'après j'ai plus de parce que ça va être trop gros, ça va tout gâcher. Donc ça, je le laisse comme ça en fait, ça me suffit. Ah, si je le colle pas, c'est sûr que ça va pas tenir. Donc je mets ça là et puis après j'arrête pour ce côté là. Et là, on va continuer ici. On va en mettre des... Donc ici, déjà, je vais mettre la montgolfière. Donc là, j'appuie bien. Et ça c'est un peu gros quand même. Parce que je trouve que du coup, là, celui-là, là, je ne voulais pas non plus trop cacher les dessins dessous, le travail qu'on a fait dessous. Mais là, du coup... je mets ça ici. Allez hop. Et après, je pense qu'on sera bon.
Il me reste ça du coup et je pense pas les mettre. Si celui-là ici, puisqu'il ira bien et en plus il cachera pas l'eau. Voilà. Et puis ma foi, je pense que ça va aller. Oups. Parce qu'après, ça va faire trop charger. Ouais. Je pense que je vais arrêter là. Puisque ça, voilà, ça va tout cacher. C'est trop gros. Mais ça, c'est pas grave. Je le mets de côté. Je m'en servirai plus tard. Hein? Donc, du coup, ouais, je débranche mon pistolet. Et ben, on va passer au travail des cires. Ah, ça, ça tient pas. C'est pas assez sec. Si, comme moi, vous voyez que ça tient pas, c'est que c'est pas assez sec la patouille. Du coup, ou vous réessayez, mais à mon avis, ça tiendra pas. On va essayer quand même. Sinon, il faudra le coller avec le 3D Match Gel. Voilà, voilà, c'est ce que je vous conseille. Pourtant, je l'ai fait hier soir, hier après-midi, mais... Donc voilà, donc je vérifie que tout tienne, puisque du coup, voilà, donc je vais attendre un peu, parce que s'il faut que je le colle avec la 3D Match Gel, du coup, je dois le faire avant de faire les patines, ce sera beaucoup mieux, donc ben, on attend un peu, et on se retrouve de suite.